Bonsoir à tous. Les thermomètres avaient plus un air de printemps que d'hiver cet après-midi. On a relevé 1,5 degré à l'observatoire de Château-Renard au-dessus de Saint-Véran à 2900 mètres d'altitude, 5,9 degrés aux Aures à 2600 mètres sur les Crêtes, 10 degrés dans le Champsaur à Saint-Léger-les-Mélèzes, 11 degrés à Rozan et Valouise et 14 degrés dans les rues de Gap. Demain, jeudi, on prend les mêmes et on recommence. Le ciel reste parfaitement bleu du matin jusqu'au soir, du nord au sud de la région. Les températures matinales seront encore basses en vallée, de moins 8 dans la Blanche, à 0 degré en Val de Durance, sur Embrun. Il fera moins 5 à Veynes, moins 3 à Villars-Saint-Pancras. Par phénomène d'inversion, la douceur sera toujours d'actualité en altitude, où il fera encore 1 à 4 degrés dans les stations de ski et les pentes de moyenne montagne. En journée, le mercure perdra 1 à 2 degrés, mais les valeurs resteront encore bien douces pour la saison, de 4 degrés au col du Lautaret, à 10 degrés en Lubaye, 11 sur Chorges ou Mont-Dauphin. L'isotherme 0 degré baissera légèrement du Queyras à la Haute-Hubaye vers 2700 mètres, mais se maintiendra encore vers 3000 mètres en allant vers l'ouest de la région. La fin de semaine sera encore bien agréable côté ciel. Rien ne devrait contrarier le soleil pour la journée de vendredi. Le mercure ne bougera pas vraiment l'après-midi, avec 8 degrés à La Ragne, 9 sur Briançon, 11 à La Solse. Pas de changement à espérer durant le week-end. Le beau temps se maintient, ainsi que pour le début de semaine prochaine. Côté mercure, après les gelées matinales, les températures l'après-midi seront stationnaires ou en légère baisse lundi. De faibles gelées seront de retour en altitude. Demain, jeudi 12 décembre, nous souhaiterons une bonne fête au Corentin, même s'il ne glacera pas tous les chemins de nos montagnes. Bonne soirée sur DICI TV et à demain pour votre météo d'ici, à la Réviste.